Faut bien commencer par un début. Alors, ce qui compte dans cette soirée, c'est effectivement de réunir un maximum d'abord des gens qui aiment la musique, tout le côté artistique, d'un bout à l'autre, ce qui compte pour cette association, pour laquelle j'ai donné un nom qui est en fait création, promotion en Cévennes, c'est effectivement de donner la chance à chacun de pouvoir faire de la musique, de pouvoir faire de l'art, de pouvoir faire de la peinture, de faire plein de choses. Alors commençons vendredi par le fait de réunir toutes ces personnes qui viendront dîner au bord de l'eau, avec des éclairages, avec beaucoup de poésie, et je crois que Mémé, il a quelque chose à dire. J'en suis sûr, il est en train de me pincer. Là. Non, comme je suis timide, donc je ferai bref. Oui. Moi, je pense que c'est une très bonne action, dans la mesure où, si ça peut promouvoir un petit peu le site et encourager un petit peu les jeunes talents aussi, parce que bon, je fais partie déjà des vieux talents, entre guillemets. Quoi. Ça, c'est vrai. Merci. Oh, merci. La barbe est bientôt prête. Merci, merci c'est le vicomte de Fabregue, hein, il faut oui, le préciser. Voilà. Monsieur. Merci, monsieur de vicomte. Et donc, voilà, donc je trouve ça assez sympathique pour un début. Quoi. Il faut commencer par quelque chose. Si on a le temps avec nous, avec les étoiles, ça va être merveilleux. Filante. Filante ou pas filante, on s'en fout. Oui, bon, on va essayer de faire un petit spectacle avec des compositions, des variétés, de la variété française, des standards. Mais comme tu es là, je suis sûr que ça va marcher, d'une part. Oula. Parce que Mémé ne le dit pas, mais c'est un gars qui a beaucoup de talent. Et ça, il l'a très souvent démontré. Oula. Donc moi, je compte sur lui, il va nous donner un coup de main. Je serai accompagné. Il y aura bien sûr Laetitia Colomb, il y a même sa sœur. Il y a certainement des choses que vous allez découvrir, il y a Cédric, mon fils. Enfin bref, il y a des gens qui aiment la musique, il y a des gens qui aiment faire quelque chose à la fois pour eux et pour les autres. Ça, c'est super important. Il faut nous entendre. Des gens purs, des gens purs. Des gens purs, voilà, hein, des gens qui... Pas de prise de tête, pas quand de... un moral de d'acier. Qui gonfle, voilà. C'est plutôt axé sur la convivialité. Si on peut faire passer un message, on le fait passer. Mais on va aussi faire nos chansons, mon petit Mémé. Car comme on travaille ensemble depuis... C'est une chanson qu'on va proposer dans les brillants. Il est infernal, c'est courantable, comme ça. Bon. Oui. Donc je disais, on va faire nos créations. Mémé fait des paroles, moi je fais de la musique, parce que je compose depuis tellement longtemps. Et d'ailleurs, c'est Mémé qui... je dis Mémé comme si tout le monde disait Mais Mémé me propose des paroles alors que j'écrivais toujours pour orchestre symphonique ou pour des concertos, trompettes, piano, etc. Ça change un petit peu. Mais ça change et c'est vachement bien parce que, excusez-moi le mot vachement, parce que ça parle du cœur. Hein. Ben oui. Mais en fait c'est ça le truc, c'est qu'on peut arriver à faire des choses tout à fait différentes, d'horizons auxquels on n'avait pas pensé toucher. Et une chanson qui a démarré lors d'un repas entre deux potes, n'est-ce pas? On a dit, tiens, si on faisait la chanson d'un soir. On n'est pas obligé de le dire. Hein. Oui, c'est vrai. Vous pouvez couper, vous pouvez censurer. Donc, voilà, la chanson d'un soir qui est très jazzy et qui est assez sympathique. Mais dont on va jaser. C'était facile, celle-là. Un peu de nostalgie qui vient me dire bonsoir. Ne rentre pas trop tard, car j'ai le blues de blues trottoir. J'ai passé la journée à me faire des idées. Tu rentrais pas ce soir, c'était un rêve en moi.